Salut les amis collectionneurs, ratisseurs du dimanche. Voilà, je viens de. Il est à peu près 9h, 9h15. Je viens de finir la brocante. Pas grand chose ce matin, mais quand même pas mal de jeux. Pas mal, voilà. Comme quoi je dis, il suffit d'un stand, voire deux, pour faire ta journée. Donc j'ai fait un stand où j'étais content. C'était un vide-grenier dans un village. Et il y en a beaucoup qui ouvraient leur maison, donc c'est là où on trouve un peu plus de trucs. Je viens de me taper, je suis parti à 3h du matin pour arriver à 3h15 pour arriver à 4h30. Voilà, c'est une heure et quart de route, mais je suis pas déçu. Et j'ai tourné pendant 2 heures, pendant 1 heure, pardon, 1 heure. J'ai rien trouvé à part 2-3 bricoles. Comme je dis, hein, je fais pas que du jeu, hein, en vide-grenier. Hein, je cherche pas que ça. Je cherche d'autres, des outils, des petits bibelots, des petites choses pour moi, voilà, pour mes parents, pour ma soeur et tout ça, qui me demandent de chercher, donc voilà. Mais au bout de, c'était 6h20, je vois une dame qui sort une caisse, et elle me sort une GameCube. Alors ça, c'est pour ranger, pour mettre la GameCube dessus, pour ranger les jeux sur le côté. Bon bah ça, c'est pas un truc qui va bien. Une GameCube en boîte, grise, à tester. Pas de surprise du chef, comme dit la tête de. Hein, voilà, voilà. Avec un jeu gang de requins complet. Il y a un Smash Bros. Complet. Je vais faire rapide, je vais pas ouvrir tous les jeux. De toute façon, ils y sont tous, j'ai vérifié. Il y avait 4 jeux, je trouve. Un Mario Kart. Un Metroid. Il n'y en avait pas un autre. Il me semble qu'il y avait 5 jeux. Non, mais il me semble bien qu'il y avait 5 jeux. Ah ouais, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Et un petit James Bond. Mais... voilà. 20 euros. Cette GameCube en boîte, 20 euros. Je n'ai pas négocié, j'avais pas envie. La dame a été pressée, c'était déjà gentil qu'elle me laisse. Elle me disait au début qu'elle voulait attendre. Mais bon, là, l'ami, je lui ai dit, bah écoutez, je vous prends tout. Et puis voilà. Et puis j'ai fait une PSP, voilà, j'ai fait une, sur un autre stand, j'ai fait une PSP. Petite PSP, bien gentille, bien sympa. Et hop, je cherche la console, PSP blanche en plus, hein. Sympatoche. Je fais pas cabriolet, j'en ai profité. PSP blanche, complète, enfin complète, pas la boîte, hein. À tester, hein, je sais pas si elle fonctionne, avec quelques jeux. Voilà. Pour 5 euros. Ma femme m'a laissé la PSP pour 5 euros. Je dis, je vais la prendre. Hein. Même si elle fonctionne pas, les pièces, ça peut servir. Hein, la batterie, voilà, si elle est fonctionnelle. Mais je pense qu'elle fonctionne parce que. Après, je suis arrivé sur un autre stand, là ça a été jackpot. Une dame, elle avait une DS et une 3DS à vendre. Voilà. Et tout en faisant la R4. Enfin, je sais pas si ça fonctionne, j'ai pas testé. Voilà. Parce que son propre, j'ai même pas. Franchement, j'ai même pas regardé en fin de compte. Une DS rose, bah, abîmée. Une 3DS avec un écran de protection apparemment. Ouais, c'est un écran de protection, j'ai eu peur. Voilà, avec plusieurs jeux, donc je l'ai fait vite. Un Need for Speed, un petit Pokémon, une merde, un petit Rayman. Un petit DBZ, un Nintendogs, un Professeur Layton. Ah, celui-là, je ne l'ai pas, celui-là. Kindle Heart. Celui-là, je vais garder celui-là. Un coach cérébral, on s'en bat les steaks. Et encore 4 jeux qui arrivent. Un Zelda. Encore un coach de merde. Un Naruto. Et un Rayman pour la modique somme de 20 euros le lot. Moi j'achète en lot. Voilà. Et la petite pépite va arriver. Hein. 20 euros, j'ai pris tout de suite.
Après, bah, dernier stand, j'allais pour partir. Hein, j'ai trouvé pas mal de choses et tout. Je prends en même temps là, dans la caisse parce qu'après, il va falloir que je porte dans les aides. Je suis bon. J'arrive dans les. Voilà. Je l'ai pas vu. J'arrive et là, sur une table, qu'est-ce que je vois? J'ai pas compris, c'était 7h15, 7h30. Je vois une DS Tank. Pareil, DS Tank. Je dis, vous avez le chargeur? Elle me fait, oui, le chargeur, il doit être quelque part là-dedans. Et elle me fait, oh, ben j'ai plein de jeux. Pokémon Or. J'ai halluciné. Plein de jeux Game Boy. Advance, Game Boy Color. Voilà. Bah ça c'est le. J'avais même une R4, on va comprendre pourquoi. Un Pokémon Crystal. Et t'as correct. Je suis refait. Pokémon Rouge, mais complètement mort. Pokémon Jaune. L'Aigle de Guerre. Super Card. Je sais pas ce que c'est ça. Oh putain. Ah, je vois ce que c'est. Bah ça, à mon avis, c'est pour les Game Boy Advance. Ah, il pourra faire plusieurs jeux. Ou même là-dedans. Même peut-être dans la SP alors. J'étais refait, j'ai tiens, un petit Super Mario 3. Un Final Fantasy. Celui-là, je sais qu'ils sont recherchés, ça. Je l'ai déjà rentré, celui-là. Et un Sonic Advance pour la modique somme de 10€. Bah 10€ je crois, hein. Même si la console fonctionne pas, je m'en bats les steaks, hein. C'est le prix de, c'est le prix de, du un Pokémon, hein. 10€. Bah j'ai dit merci madame, passez une bonne journée. En bas, messieurs dames. Et voilà. Et bah ça m'a pas coûté trop cher cette brocante. 20, 20, 40, plus 50, plus les 50 que j'ai dépensé, 100€. Voilà, voilà. Et ben franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une GameCube en boîte. Bah bon, elle est pas complète, hein. Il n'y a pas les câbles, il y a tout, mais c'est pas bien grave. Celle-ci, elle va partir à l'échange parce que je l'ai déjà en grise, donc si ça intéresse quelqu'un, voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien. Moi, je vais continuer un peu. Il y a un ou deux vides greniers sur mon chemin. Je vais m'arrêter, voir si je trouve quelque chose. Et je vais mettre une vidéo. Hier, j'ai fait un vide racing pour ma fille. Je suis allé pour un vide racing pour ma fille. Et je reviens avec pas mal de rétro. Voilà. Donc la dame, je lui ai posé la question. Vous avez des jeux? Vous vendez pas des consoles par hasard et tout? Elle me fait, ah bah, j'ai une console avec quelques jeux et des jeux à part où on n'a plus les consoles. Mais ouais, ça. Voilà. Je vous dis, il y a de la NES et il y a du rétro. Ah, j'étais refait. Alors, la vidéo sera mise en ligne mercredi ou jeudi. Les amis, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien. Bon appétit pour tout à l'heure. Et voilà, bonne journée.